Bonjour à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon de communication et actes de langage, séance 1. L'objectif de cette leçon est que l'élève doit être capable de conseiller et de recommander. Comme vous savez, la première séance de communication et actes de langage est une séance d'observation et de découverte. Alors, nous allons commencer par l'observation de l'image suivante. Voilà. Puis, nous allons répondre ensemble aux questions suivantes. Première question, que vois-tu sur cette image? Deuxième question, où se trouvent ces personnages? Troisième question, que s'est-il passé? Pourquoi à ton avis? Alors, observons ensemble l'image. Voilà, observez bien. Très bien. Alors, je vois un professeur avec ses élèves. Ils sont dans une classe. L'image illustrée sur le tableau représente un garçon qui a eu un accident. Je crois qu'il n'a pas respecté le code de la route, pour piétons bien sûr. Je crois aussi qu'il a traversé au feu vert, possible car il n'était pas prudent. Voilà. Je répète ce que je viens de dire. Je vois un professeur avec ses élèves. Ils sont dans une classe. L'image illustrée sur le tableau représente un garçon qui a eu un accident. Je crois qu'il n'a pas respecté le code de la route pour piétons. Je crois aussi qu'il a traversé au feu vert, possible car il n'était pas prudent. Alors maintenant, on va répondre ensemble aux questions de la rubrique « J'observe et je découvre » page 148. Commençons par la première question. Que vois-tu sur cette image? Donc la réponse, je vois un professeur avec ses élèves. Je vois un professeur avec ses élèves. La question suivante, où se trouvent ces personnages? Donc, ils se trouvent dans une classe. D'une autre façon, ce professeur et ses élèves sont dans une classe. Et la troisième question, que s'est-il passé? Pourquoi ton avis? Donc la première réponse, il leur parle d'un accident. Donc le professeur parle aux élèves d'un accident parce qu'un élève s'est fait renverser par une voiture. Il leur parle d'un accident. Un élève s'est fait renverser par une voiture. Très bien. Alors maintenant, prenez vos cahiers de maison. Écrivez la date d'aujourd'hui et le titre de la leçon et réécrivez les questions et les réponses. Après avoir terminé, prenez vos cahiers de leçon et écrivez le dialogue suivant. Voici le dialogue. Puis, lisez-le attentivement et répondez aux questions suivantes de la rubrique « J'écoute et je comprends » page 148. C'est pour la prochaine séance, Inch'Allah. Voici les questions. Qui sont ces personnages? De quoi est-il question? Quelles questions pose le professeur? Pourquoi l'enfant est-il victime d'un accident? Quels conseils le professeur donne-t-il aux élèves? Que leur recommande-t-il? Alors, lisez bien le dialogue et répondez aux questions de la rubrique « J'écoute et je comprends » page 148. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Voilà.